Salut les poulets, vous en avez marre de ma casquette orange et grise que vous pouvez voir depuis 3 mois, voilà, un peu partout sur mes réseaux sociaux. Et ben, c'est le moment, voilà, le moment de la révélation, parce que ça fait maintenant 3 mois là, aujourd'hui, que j'ai fait ma greffe de cheveux ici à Istanbul. Et je vais vous montrer enfin les résultats. J'ai gardé le suspense pendant très très longtemps. Je pense que normalement, il n'y a personne à part mes proches, ma famille et mes amis qui ont vu vraiment mes résultats. Donc bah, j'ai hâte que vous puissiez les voir également et me dire ce que vous en pensez. Donc je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps. C'est parti. Révélation dans 3, 2, 1. Tada! Vous pouvez enfin voir après 3 mois, voilà, 3 mois de suspense, j'ai gardé ma casquette tout le temps. Cette casquette là, vous devez en avoir marre je pense. Je l'ai gardée partout, sur tous mes réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, sur toutes mes vidéos YouTube. Et là donc voilà, vous pouvez voir le résultat donc à 3 mois. Je sais pas ce que vous en pensez, j'ai hâte de voir vos commentaires, laissez un petit message en dessous pour me dire voilà ce que vous pensez du résultat voilà partiel, hein, parce que je tiens à préciser que c'est vraiment au bout d'un an que les résultats sont finaux. Donc là c'est vraiment le résultat, on va dire à un quart de la fin, voilà, 3 mois, après il y aura 6 mois, on sera à la moitié, après 9 mois et après on aura les fameux 12 mois, 1 an pour voilà, avoir les résultats finaux. Donc voilà, je vais prendre un petit peu la caméra comme ça vous pouvez voir un petit peu mieux. Donc pour rappel, moi c'était les golfs. Donc les golfs c'est la partie qui était là et là, donc à droite et à gauche, et une petite ligne frontale. Donc je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais essayer de passer doucement. Voilà, et après derrière. Donc là c'est la partie donc, qui a été implantée, greffée, et derrière c'est la partie donc donneuse. C'est là où on m'a extrait les cheveux. On m'a extrait des cheveux là, des greffons, qu'on m'a remis devant. Voilà, derrière, vous pouvez voir un petit peu. Voilà. Sur le côté. Pour ceux qui se demandent, ah bah t'as beaucoup de cheveux blancs Jérémy, est-ce que c'est un effet secondaire de la greffe? Non, pas du tout. Voilà, je suis un cas on va dire particulier parce que j'ai des cheveux gris depuis l'âge de 16 ans. J'ai eu mes premiers cheveux blancs gris à l'âge de 16 ans. Je vais se remettre. Voilà, j'espère que vous me voyez bien, que le cadre est bien. J'ai reçu des tonnes de messages, donc merci à vous, ça fait vraiment plaisir. Des gens qui me disaient, ah je suis sûr ta greffe elle a raté parce que tu mets toujours ta casquette, tu veux cacher un mauvais résultat ou quelque chose comme ça. Donc là vous pouvez voir vraiment le résultat par vous-même, voilà, avec un autre angle. Ah, je m'attarde vraiment parce que sur les autres vidéos, j'ai pu remarquer que des fois, bah, je passais trop vite avec la caméra. Donc, j'espère que vous avez un bon rendu à l'image. Et donc, voilà. Donc là, je suis à 3 mois. Beaucoup m'ont dit, ah voilà, est-ce que tu es satisfait et tout ça? Je suis super satisfait. Honnêtement, je pensais que ça, c'était des résultats après 6 mois. Je m'attendais vraiment pas à ça après seulement 3 mois. Moi, j'ai fait ma greffe, pour rappel, au mois de mai 2019. Et là, on est en août 2019. Voilà. J'ai fait une vidéo il y a quelques jours, pour ceux qui ne l'ont pas vu, pour vous donner mes conseils pour ne pas vous faire arnaquer en fait en choisissant une mauvaise clinique ou même pas une clinique, une agence ou des faux comptes etc. sur Instagram. Je vous invite à regarder, le lien est dans la description. La description c'est l'encart texte, donc écrit juste en dessous de la vidéo, et je vous donne vraiment plein de critères, plein de petites choses à faire pour voilà, voir si vous êtes en face d'une vraie clinique, voilà, de vrais experts spécialisés dans la greffe capillaire, comme c'est le cas pour ma clinique, parce qu'il y en a beaucoup aussi qui me demandent toutes les coordonnées de la clinique où j'ai fait ma greffe, donc le docteur Serkan Aygün à Şişli à Istanbul. L'adresse aussi est en dessous, il y a même un contact, le contact direct des francophones, si vous êtes intéressé, c'est Adem, je vous remets le numéro, voilà, je le dis jamais assez. Et il n'y a qu'un seul contact francophone dans la clinique, donc Adem, que vous avez vu dans les anciennes vidéos, qui s'est fait une greffe de barbe. Voilà, donc vous savez tout. Je ne vais pas m'attarder plus. Je pense que voilà, vous attendiez le résultat, vous l'avez vu. C'est très bien, j'ai pas d'effet secondaire. Mes rougeurs
ont disparu, voilà. Si je suis un petit peu rouge, c'est parce que là, ces derniers jours, j'ai été pas mal dehors, donc c'est peut-être... Voilà, j'ai pris peut-être un peu de couleur, mais sinon j'ai plus de rougeur, j'ai plus de croûte du tout derrière. Là, j'ai toujours pas coupé mes cheveux. On m'a rasé les cheveux le jour de l'intervention, le jour de la greffe, donc au mois de mai. Et là, j'ai pas du tout coupé mes cheveux, même pas là sur les côtés, même pas derrière, même pas au-dessus. Voilà, comme ça, vous avez vraiment un résultat naturel, complet, à 3 mois. Par contre, là, sûrement dans la semaine qui suit, je vais, je vais couper un petit peu parce que là, j'en ai vraiment beaucoup. Et en plus, il fait super chaud ici, donc je vais couper un peu, mais pas à blanc. Tout ce que je fais là maintenant pour la greffe, c'est simplement mettre du sérum. Donc après les 18 jours de greffe, j'ai commencé donc un traitement naturel, donc à base de vitamines. Donc c'est un petit sérum sous forme de fiole, ça s'appelle le Growth Factor, à appliquer matin et soir sur la zone greffée. Voilà, donc moi, c'est cette partie-là, hop, hop, et là. Il y a juste ça que je fais, donc matin et soir. Je dois le faire pendant 4 mois, après j'aurai un mois de break et ensuite j'aurai encore 4 mois à faire, donc c'est un traitement sur 9 mois. Et c'est tout, voilà tout. Pour une fois, je vais pas m'éterniser super longtemps parce qu'il y en a beaucoup qui me disent « Ah Jérémy, tu parles beaucoup, tu parles beaucoup ». Là voilà, je vous ai montré les résultats, je vous ai dit où j'en étais, voilà, à 3 mois. Là j'ai encore le traitement, je dois encore faire 1 mois, après j'aurai une pause et j'aurai 4 mois pour le faire sur 9 mois. Après j'aurai quasiment plus rien à faire. Après bah si je veux, je peux continuer des autres traitements, etc. Mais... voilà, on va bien voir à ce moment-là, je vous en reparlerai parce que même moi je sais pas si je vais continuer un autre traitement ou démarrer quelque chose d'autre. Donc voilà, la casquette, vous allez sûrement la voir de moins en moins. Dites-moi ce que vous pensez, donc des résultats partiels à 3 mois, si vous trouvez que ça fait naturel ou si vous trouvez que ça fait pas du tout naturel, que ça fait bizarre, n'hésitez pas, voilà, toutes les critiques sont bonnes à prendre. Donc je répète juste que voilà, j'ai fait ma greffe dans une seule clinique. Si vous voyez des pubs à droite et à gauche sur Instagram, Facebook ou tout autre réseau social, même sur YouTube, et vous voyez mon visage et que la clinique n'est pas au nom du docteur Serkan Aygün, ce n'est pas ma clinique. Voilà, je préfère le préciser. Pour ceux qui ont vu ma vidéo juste avant sur les arnaques à la greffe de cheveux, vous devez comprendre de quoi je parle, c'est pour ça que je me répète. Donc la clinique du docteur Serkan Aygün, si vous voulez contacter quelqu'un qui parle français dans la clinique, la seule personne responsable des francophones, c'est Adem. Je vous mets le numéro dans la description. Et voilà tout. N'hésitez pas à me laisser le commentaire. Je vous remontre une dernière fois. Merci pour tous vos messages, pour votre soutien, ça fait vraiment plaisir. J'ai reçu voilà des centaines de messages partout sur les réseaux sociaux pour me dire bah voilà, c'est cool que tu fasses la greffe, que tu nous expliques et tout ça. Et j'ai toujours aussi, pour ceux que ça intéresse, si vous voulez me contacter directement dans les commentaires, voilà, vous pouvez me donner votre avis, etc. Mais si vous voulez vraiment des informations plus précises sur mon expérience en tant que patient, n'hésitez pas, vous avez mon adresse mail toujours disponible, voilà, jeremy.greffeturquie@gmail.com. Elle s'affiche juste ici, vous pouvez me contacter, m'envoyer des messages. Ça c'est plus pour les personnes qui sont vraiment intéressées par la greffe, qui veulent sauter le pas et qui ont encore voilà, des petits doutes. Comme ça bah, je réponds à tout le monde. Je pense que j'ai répondu à tous les emails, j'en ai reçu depuis que j'ai fait ma greffe, depuis 3 mois, j'en ai reçu 200, 300 messages. Donc je prends du temps pour vous, pour que vous fassiez les bons choix. Donc n'hésitez pas, si vous avez une petite interrogation d'un point de vue pas médical hein, mais d'un point de vue vraiment en tant que patient, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Sur ce, n'oubliez pas le pouce gris en l'air, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et de me suivre sur Instagram aussi. Voilà, je le répète de plus en plus parce que bah, j'ai plus de 10 000 abonnés là ici sur ma chaîne YouTube et sur Instagram. J'ai même pas 1000 abonnés, bah, 1000 followers comme on appelle. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre. Je fais des stories régulièrement, je mets des photos de mes voyages, je vous montre un peu mon quotidien. Voilà, c'est rapide, je prends mon téléphone quand je vais manger voilà à Cavalteux, ou quand je vais me balader, quand je fais visiter un peu la ville à ma famille ou à des amis, parce que là on est en été et j'ai pas mal de famille qui vient. Et ben je fais des petites vidéos pour vous partager un petit peu ma vie ici en Turquie. Allez, sur ce, tchuss les poulets !